Hey, salut mes catholistas, ici Isabeau, Isabeau la pudique. En ce moment, on s'embête comme des rats morts à Paris. Encore et toujours ces fichus guerres de religion. Mais Isabeau la pudique a plus d'un tour dans sa malle. Alors, ciao Paris, bonjour Genève. Je pars rejoindre Dame Suzanne. Vous vous souvenez d'elle? C'est ma belle et plantureuse cousine huguenote. Scandale! 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 Dame, 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 damoiselle. Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer mes bagages. Grâce à moi, vous allez apprendre à faire un long voyage avec le strict nécessaire. Isabeau minimaliste, qui l'aurait cru? Oh, j'ai tellement hâte de prendre la route! En revanche, mes jolies, la peste soit de celui qui m'accompagne dans ce périple. Je dois partager ma litière avec mon cousin Florimond, totalement Isabeau, ma cousine, je vous ouipe les cuisines. Si vous préférez finir déshonoré par les bandits ou dévoré par les loups, libre à vous. Le sot ignore que j'emporte avec moi ma collection de poignards. Qu'il m'approche les bandits de grand chemin. Isabeau la pudique s'est tout à fait se défendre. Ya, ya. Un jour, j'ai même poignardé quelqu'un dans le dos, au bal de la reine Marguerite. Mais dans la confusion générale, personne n'a vu que c'était moi. Scandale. Passeport, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Me mettre au cachot? Évidemment que j'ai mon passeport. Gros méchant de la marée chaussée, c'est le premier objet que je range dans ma malle. Et vous, vous avez un passeport? Dites-le-moi en commentaire. Je ne prends que deux tenues. Pas le choix pour voyager sans encombre. Mais rassurez-vous, le reste de ma garde-robe a été réparti dans les 8 autres litières parties l'avant-veille. Comme on peut le constater, mes chers catholistas, c'est une triste tenue de huguenote. C'est Dame Suzanne qui l'a oubliée ici, lors de sa dernière visite. Ça m'amuse pas du tout de porter cette robe de veuve, mais apparemment notre cortège passe non loin d'Avignon, royaume réformé, et d'après mon cousin Florimond, il faut pas être inaperçu parce que sinon vous allez mourir et après vous allez... Je vous entends toujours, ma chère cousine. Astuce. Et voilà mes catholistas, j'ai gagné pas mal de place. Et vous, vous avez des robes? Dites-le-moi en commentaire. Coucou. C'est moi, très important, mon visard, pour me protéger du soleil, de la poussière et des potions de mon imbécile cousin. Oh, il a rien entendu. Il est sourd comme un pot, comme un pot de chambre. Bien envoyé. Passons aux choses sérieuses, mes catholistas. Comme vous le savez, je suis très coquette. Je prends donc toujours mon trousseau d'affaires de toilette, ma magnifique brosse à dents que j'ai eue pour mes 14 ans, mon peigne, mon cure-oreille, mon gratte-langue et mon bain d'œil. En voyage, j'ai les yeux secs. Oh, bonjour, Dame Suzanne. Comme vous m'aviez manqué. Isabeau, hâtez-vous le séant, tout le monde vous attend. Oh, Seigneur Tout-Puissant, je ne supporte plus ce foutriquet. Heureusement que le voyage ne dure que 23 jours. Et vous, vous avez un cousin? Dites-le-moi en commentaire. Mes accessoires indispensables pour voyager léger, ça continue! Une bassine noire pour réchauffer mon séant. Choc thermique! La 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 la. Mes selles de voyage dans ma petite boîte magique. Un pour mes humeurs, un pour la nausée, un pour m'aider à dormir, des pots à pommade, mon adorable poudrier. Ce truc bizarre. Mes flacons, mes burettes, mes miroirs. Waouh, quelle beauté! Un mortier, ma toute petite protection pour mes menstrues. Truc de fille, secret d'alcôve. Quelques fioles de mes poisons préférés, pour les bandits. Ou si Florimond m'ennuie, je plaisante. Isabeau, votre lenteur vous rend mal aimable. Diantre, quel enfant du diable. Quis-je? Une insulte? Je prends toujours mes draps et ma vaisselle. Partager les poux des autres voyageurs dans les auberges, très peu pour moi. Et vous, bande de pouilleux, vous avez des poux? Bah, dites-le-moi en commentaire. Et voilà, mes catholistas. Impressionnant, n'est-ce pas? Vous attendiez à ce que je voyage aussi léger? Je ne pense pas. Diantre, ma chère cousine, êtes-vous prête cette fois? Oui, enfin! N'avez-vous donc pour seul dessein que de m'ennuyer? Oh, oui, je suis prête. Je n'ai plus qu'à fermer ma toute petite malle. Et vous, vous pourrez la porter. À bientôt, mes catholistas. Et surtout, n'oubliez pas, pour voir la suite de mon voyage, abonnez-vous. Dame, 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 damoiselle. Poussez-vous! Attention enfin, elle appartenait à mon aïeul. Quelle empotée, celui-ci. Taisez-vous, taisez-vous. Allez, donnez-moi votre passeport. Je vais le ranger avec le mien dans la boîte à gants. Laissez-moi deviner. Il est tout au fond? Scandale. Scandale, en effet, de proposer des vidéos aussi bien sur YouTube. Alors, pour nous soutenir, tu peux t'abonner ou regarder toute la playlist de Damoiselle, c'est charmé, ou d'autres contenus sympas cool. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Si votre nom n'est pas sur la liste, c'est qu'il y a un problème. Merci pour tout.